Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle box, la E-Tech Box est arrivée. J'ai vu pas mal d'entre vous en snap qui l'avaient reçu avant moi, bande de vénards, j'ai pas beaucoup aimé ça, la prochaine fois mettez pas de snap. Mais là ça y est, la voilà, elle est là, elle est arrivée, elle est grande, je trouve même pas de mots parce qu'elle est à la fois très grande par rapport à ce qui se fait d'habitude et... Je sais pas s'ils ont mis des briques dedans ou si c'est une box sur le thème du chantier, mais elle est lourde. Donc bah, je suis vraiment impatient de l'ouvrir et j'ai, comme d'habitude, je ne l'ai pas ouverte, je découvre avec vous. C'est parti. Je regarde pas, c'est ouvert, ça y est, c'est ouvert. Oh putain. ouais. Bah écoutez, je comprends. Je comprends pourquoi c'est lourd. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à bader? Vraiment? Vous allez bader. Un tapis de sol, The Big Bang Theory. Avec knock 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 penny trois fois, il le faut, si c'est pas trois fois, ça ne sert à rien. Et c'est en poil gratte-gratte. Donc c'est un truc qui... Ah, il est trop classe! Il est trop classe, je m'attendais pas à recevoir ce type de produit un jour dans une box, c'est d'enfer. Ensuite, on continue, deuxième putain de truc. Encore un coup, j'ai du bol. Attention mesdames et messieurs, dans la série Batman Asylum, le Joker. Joker, figurine pop que je n'ai pas. Comme d'habitude, j'ai du bol, c'est une figurine que je n'ai pas. Et elle est trop classe. Donc voilà, le petit Joker, super beau. Franchement, la figurine est super belle. Je vous montre, comme d'habitude, la collection à laquelle elle appartient au dos. C'est une Batman Arkham Asylum. Next! Oh! Alors ça, c'est une super idée cadeau. Je sais que madame va vouloir me le voler. Mais vu, je vous spoil un peu, là, en fait, elle est derrière la caméra. Donc quand je vais retourner le produit, ça va être... Je le veux. Je lui passe donc le message. Gratte-toi. Un PES Captain America. Et ouais, un PES Captain America, ça déchire, je trouve ça génial, franchement, pour l'instant la box entre Big Bang Theory, Batman et Captain America, canon. Le Hobbit, je crois que je l'ai déjà. Ouais, celle-là je l'ai déjà, figurine de Bilbon. Bah écoutez, puisque je l'ai déjà et que je vous aime bien et que je suis paradin et que vous êtes plutôt sympa généralement, hein, vous n'êtes pas trop chiant en commentaire, sauf parfois... Je vous la fais gagner. Je vais la mettre en photo sur Twitter avec un petit tweet. Rituel de d'habitude. Il faut aimer ma page, faut me suivre sur Twitter, aimer la publication et la partager en fait. Tout simplement, de toute façon, tout sera indiqué. Mais voilà, celle-là, je l'ai déjà, je vous la fais gagner. Donc, vous voyez, j'ai des cadeaux, vous avez des cadeaux. Comment ne pas être content, franchement. Oh putain, il y a encore du lourd, les mecs. Hein. Un t-shirt. Je ne vois pas ce que c'est. Tiens. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus. Oh, c'est un match-up d'enfer. Attention. Pulp Fiction et Deadpool. Le match-up de la mort. Il est trop beau. Et ça, franchement, avouez que c'est énorme. Énorme. Énorme, énorme. Bon, alors ce coup-ci, pas de tour de magie, parce que comme j'ai le micro et qu'honnêtement, j'ai la flemme de le défaire et de le refaire, hein, le t-shirt, vous l'avez vu, c'est très bien. Là, j'ai un autre t-shirt de box, tout le monde est content, voilà. Le petit livre, ça, on en revient après, de toute façon, ça résume tout ce qu'il y a dedans. Ensuite, puisque c'était Pâques, on a une petite manette en chocolat. Je pense que son temps de survie va être inférieur à 15 minutes. Donc, est-ce que j'aurai le temps de la snap ou pas? Bah, tout va dépendre de ma vitesse à laquelle je vais la manger, hein, bien sûr, évidemment. Mon Dieu, je vois du Game of Thrones. Mon Dieu, je vois du Game of Thrones. Je pense que c'est des dessous de verre. Donc, ce qu'on va faire... D'habitude, je sais que je ne le fais pas. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, c'est une journée riche en cadeaux. Je vais l'ouvrir. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Je vote pour! Je vote pour! Prenez le sous de verre, Game of Thrones. Ah ah! Et ouais, 4 beaux dessous de verre
Game of Thrones. Et franchement, la box, j'ai dit qu'elle était lourde, j'ai dit qu'elle était grande, mais elle est surtout blindée de bonnes choses. Parce que c'est pas fini, hein, y en a encore. Oh ! Madame va me refaire son « Oh, je le veux ». Un porte-clé du Vif d'Or Harry Potter. Je le veux, je le veux. Oui, mais tu ne l'auras pas. Ah, il est trop beau. Je t'échange mon bébé 8 contre celui-là. Non. Oh putain, il y a encore tellement de trucs dedans, je suis en train de bader. Un poster. Je le regarde maintenant. Power Up, avec le petit champignon qu'on a dans les Mario, Mario Kart. Encore un poster sympa. Ils ont le don pour nous donner des posters que... franchement super originaux quoi, tout simplement. Hop, on remet le petit élastique comme ça, ça ne s'abîme pas. Je pense que c'est un deuxième poster. Oh mon dieu, le film n'est pas encore sorti, on a déjà l'affiche. God of Egypt, si vous n'avez pas vu, ça m'a fait penser un peu à 300. Ouais, un mélange entre 300 en jeu vidéo du God of War. L'attaque des titans aussi, enfin non, pas l'attaque des titans, mais truc des titans, le film qui était sorti il y a quelques années, le choc des titans, voilà. Ça m'a fait penser à un mash-up entre tout ça. On a l'affiche, bah écoutez, bonne surprise dans le sens où c'est un film qui n'est pas encore sorti, donc c'est vachement sympa. Et je vois, il se fait tout discret, il est beau. Alors ça me surprend parce que d'habitude on a un petit pins e-tech box du mois de machin, là ils nous ont juste mis un petit pins. Power. Il est sympa, mais ça me surprend de pas avoir le petit pins habituel sur la box. On verra bien dans les autres box s'il y est, on sait jamais. Donc je disais, écoutez, la box, je ne savais pas à quoi m'attendre en l'ouvrant parce qu'elle était très lourde. C'est le tapis qui représente le plus de poids, mais c'est aussi... Oh, c'est un putain de truc. Entre les deux posters, donc on a le petit pins... Le porte-clés, la manette en chocolat, les dessous de verre Game of Thrones. Nous avons le Joker, le PES, Captain America. Arrête de sourire, tu ne l'auras pas. Le t-shirt mash-up entre Deadpool et Pulp Fiction. Il est juste épique. Et le magnifique, hein, on peut le dire comme ça, le magnifique tapis Big Bang Theory. Alors pour les dimensions, c'est 400 par 600 mm. Donc on est sur une sacrée taille de tapis quand même. Il est vraiment super beau. Et sans oublier le plus important pour vous dans cette vidéo, la figurine Bilbo le Hobbit. Puisque je l'ai déjà, je rappelle, je vous l'ai fait gagner sur Twitter. Le lien vers le concours va être en description. Il n'y a qu'un lien, donc il va être. Voilà, en description, vous cliquez, vous y allez, vous jouez. N'oubliez pas de faire toutes les étapes. Ceux qui ne font pas toutes les étapes, vous n'êtes pas sélectionné à la base. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ne pas oublier le pouce bleu, n'oubliez pas, c'est super important. Abonnez-vous si vous n'y êtes pas, commentez. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !